Moi, les meilleures amoureuses que j'ai eues, c'était toujours celles qui avaient le plus baisé. Toujours. C'est toujours les petites brunes les meilleures? Ah, mais non, ça dépend des circonstances. Une grosse fille chaude pour l'hiver. Une jeune fille fraîche pour l'été. Une française quand t'as le goût du champagne. Un beau grand jus d'orange de la Californie. Et puis les odeurs. Les juives, les arabes qui sentent le camphre. Les vietnamiennes qui sentent la fleur d'oranger. Je m'excite. C'est quand même pas obligé que ce soit des professionnels. Ah, mais non. Autrement, ça prend plus de temps. Et puis t'es obligé de draguer. Ça, c'est épouvantable. Traîner dans des bars, payer des repas. Danser dans des discothèques. T'aimes pas danser? J'ai toujours eu horreur. Mais alors là, horreur de ça. Les heures d'enfer que j'ai passées sur des pistes de danse, juste pour faire plaisir à des femmes. Le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les films de Woody Allen. Avez-vous lu Shogun? J'adore Baryshnikov. Mais maintenant, c'est Patrick Dupont. Et puis, acide. Quel drame. Centrale nucléaire, quelle horreur. Le chômage chez les jeunes, quel quoi. Qu'est-ce que tu penses du nouveau désordre amoureux? Sylvie, quoi? Nathalie, quoi? Julie, Sophie. Non, mais tu sais, il faut vraiment avoir envie de se mettre. Et puis c'est pas tout. Il faut la faire jouir. C'est pas de la tarte, ça. D'abord, trouver le clitoris. Oh mon Dieu. Déjà, ça, c'est une entreprise assez délicate, merci. Il y a même des cas aussi pires que de chercher une chenille sur un damier. Ensuite, dans la tête, toutes les notes, appendices et chapitres de Masters and Johnson, le rapport Hyde, la controverse du G-Spot, Germaine Greer, Nancy Friday. Tu sais plus si tu dois envoyer tes doigts, ta langue, ta queue. Là, tu la gardes du coin de l'œil, et tu te dis, oh, on a de l'air de... J'espère que... Me demande si... L'enfer, j'ai l'enfer. Il me semble que j'ai jamais eu de problème comme ça. Tu penses ça, quoi? Oui. Bon, ben viens avec moi dans mon bureau, deux secondes.